Bien, mesdames et messieurs, eh bien, cette présentation officielle était particulièrement intéressante parce qu'elle montre le regard, d'ailleurs assez satisfait, que les élites politiques suisses d'aujourd'hui portent sur un événement capital, l'adoption de la première constitution fédérale suisse en 1848 et qui, effectivement, malgré la révision complète de 1874, sans parler de celle de 1998, dans ses fondements politiques, institutionnels, nous régit toujours. Alors, au-delà de ce qui a été dit, il y a quand même des absences. Alors, il y a l'absence, d'abord, des événements extérieurs, parce que la Suisse est peut-être une île, mais elle est une île au milieu de l'Europe. Et en 1848, comme vous le savez, c'est ce qu'on a appelé le printemps des peuples, le printemps de la Révolution. Je vous signale à ce sujet un ouvrage paru en anglais il y a quelques semaines de Christopher Clark, le fameux auteur du livre sur les somnambules de la Première Guerre mondiale, et M. Clark, qui est un excellent historien, parle un peu de la Suisse au milieu de toutes les révolutions de 1848 et d'une sorte de festival des constitutions. Je voulais d'abord commencer, mais je ne savais pas qu'il y avait une introduction aussi sérieuse, par vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un coup d'État en Afrique ou en Asie, le premier objectif des militaires, c'est souvent des militaires, mais pas toujours, c'est de dire nous allons faire une nouvelle constitution. Et bien entendu, le comité, c'est un comité de salut public, un comité de révolution pour la sécurité de l'État, etc. Et Hardy, je pense que la plupart des États africains en sont à leur deuxième, troisième ou quatrième constitution en 50 ans. Alors, ça va aussi un peu le cas de certains pays d'Amérique latine qui, à chaque événement important, refont une constitution. Mais ce qui aujourd'hui peut relever d'une certaine mode était déjà le cas au XIXe siècle, où on attribuait au mot « constitution » des vertus presque magiques. Contrairement à ce qu'on pense souvent, les événements de 1848 ont commencé en réalité avant. Ils ont commencé par une série de troubles. Et ce n'est pas la révolution de février 1848 en France, comme on le dit trop souvent, qui a donné le branle. En réalité, les premiers événements révolutionnaires se sont passés à Palerme et à Naples 2 mois avant. Et il y avait déjà eu, en 1847, un certain nombre de prodromes, comme on dit, de ces événements révolutionnaires. D'ailleurs, le pays qui n'a pas de constitution encore à l'heure actuelle, c'est l'Angleterre, est l'un des premiers à avoir failli à être entraîné 2 siècles après les événements de 1648 dans une révolution, celle du mouvement chartiste. Mais l'habileté d'un premier ministre qui a quand même eu plus tard quelques liens avec Genève, Sir Robert Peel, qui notamment a abrogé les Corn Laws et a accéléré le mouvement de réforme parlementaire, a empêché que l'Angleterre soit le premier pays à avoir une révolution en 1846-47. En Suisse, on ne va pas vous refaire l'histoire que vous savez, c'est grâce ou à cause de l'hostilité farouche entre les radicaux d'une part, les libéraux radicaux d'autre part, tous les deux étant anticléricaux, et les conservateurs des petits cantons catholiques, que s'est déclenchée la révision
du pacte fédéral, à la suite de ce que on appelle ici dans une guerre civile, mais en réalité qui n'a pas du tout la profondeur, l'importance de la guerre civile américaine, 17 ans plus tard, de la guerre de sécession. C'est un conflit qui opposait à l'intérieur de mouvements différents, certes, des cantons d'orientation confessionnelle différentes, mais je vous rappelle, par exemple, sans entrer plus loin, que les deux chefs militaires, tant des troupes fédérales suisses radicales que des troupes du Sonderbund, étaient commandés toutes les deux par deux officiers généraux conservateurs et protestants. L'un, c'était le général Dufour, et l'autre, c'était Ulrich de Salis-Soliou. Donc, déjà là, on voit que les choses sont peut-être, ont peut-être plus de place, de peine à se mettre. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est qu'un des éléments détonateurs, et ça, on l'oublie complètement aujourd'hui, les événements de 1846 se trouvent dans l'élection, le 16 juin 1846, du cardinal Mastai Ferretti comme pape. Alors que son prédécesseur, Grégoire XVI, est mort à 80 ans, le nouveau pape Pie IX, Pio Nono, a 48 ans, est à ce moment-là une sorte d'idole des milieux progressistes en Italie. Et une partie des mouvements insurrectionnels en Italie se fera au nom de Pio Nono et au nom de cette réforme politique qu'on attend. D'ailleurs, Pie IX sera le premier à envoyer ses vœux non pas à des États différents, mais à l'Italie en 1846 déjà. Ça n'est que plus de deux ans plus tard, après l'échec, l'assassinat de son premier ministre Pellegrino Rossi, figure genevoise que vous connaissons et dont nous allons beaucoup reparler tout à l'heure, et les événements de la République romaine, que Pie IX deviendra le pape réactionnaire, le pape de Vatican Ier, de l'infaillibilité pontificale sous lequel il est resté. Mais en réalité, au moment de son élection, il a suscité d'immenses espoirs en Italie et dans le monde catholique, et on oublie un peu facilement cela. Ça montre d'ailleurs que à cette époque, notamment en Suisse, les catholiques sont divisés entre catholiques libéraux et catholiques conservateurs. Alors, dans le magnifique petit tableau récapitulatif des précédentes constitutions suisses, parce qu'effectivement, on oublie de mentionner que, outre la constitution de 1798, et probablement celle de 1802 de la Malmaison, de médiation en 1803, du pacte de 1815, il y a en tout cas deux constitutions, plus un projet qui n'a pas réussi, qui ont marqué en 1847 et 48 les hommes qui allaient rédiger eux-mêmes en quelques mois. On était à l'époque plus rapide que pour la dernière constitution genevoise où il a fallu 5 ans et quelques millions. Mais comme la première genevoise de 1847 qui a été faite en 3 semaines, c'est quelques semaines pour la constitution de 1848. Alors, il y a deux constitutions qui ont marqué les esprits. C'est d'une part la constitution américaine de 1787, bien connue en Suisse par les hommes politiques, qui avaient lu en partie Tocqueville, mais qui la connaissaient d'avant, parce qu'un texte très important de James Fazzi, qui date de 1833, apparu, était publié avant le premier tome de La démocratie en Amérique de Tocqueville, qui date de 1835. Et puis l'autre constitution importante, qui elle a été éphémère,
c'est celle de 1791 en France. Donc, vous avez là quand même des modèles. Et puis alors, celle qui n'a pas marché, mais qui est quand même très importante, c'est l'essai en 1832 du fameux pacte fédéral de 1832, dont le rapport a été signé par Pellegrino Rossi, qui a joué un rôle important dans la commission. Alors, on ne va pas comparer, notamment sur le plan des institutions, il prévoit quand même une sorte de conseil fédéral. En fait, c'est des ministres présidés par un Landamman de la Suisse. Ça, c'est des références précisément à 1802 et à 1803. Mais il prévoit un certain nombre, si vous voulez, de dispositions donnant à la future, la future entité qui sera formée sur le pacte fédéral, un certain nombre de pouvoirs, de ressources, etc. Toute une partie, les douanes, les péages, etc., qui sera en fait, qui pour nous est moins intéressante parce que les temps ont changé, mais qui est au fond toute la seconde partie, sur laquelle on ne va pas s'étendre ce soir, de la Constitution de 1848. En revanche, la partie institutionnelle, elle est beaucoup plus originale en 1848. Alors, quand on nous dit que, dans le message officiel, que la Suisse est la première démocratie stable en Europe, oui et non. Je pense que la Grande-Bretagne, malgré le Reform Act de 1832, qui n'est pas une sorte de franchise pour tous les citoyens, c'est encore quand même un vote avec certaines cautelles, mais élargit beaucoup le suffrage universel, est un exemple, malgré tout, on peut le dire, de démocratie stable depuis en tout cas plus de deux siècles. Et puis alors, il y a quand même, là je suis étonné qu'on ne le dise pas, un autre exemple tout à fait frappant, c'est celui de la Belgique. La Belgique, suite à sa séparation des Pays-Bas en 1830, adopte une constitution qui est aujourd'hui toujours en vigueur, en tout cas officiellement, même si le pays s'est plutôt fédéralisé, était plutôt centraliste, et qui est, à cette époque, est le premier pays qui, définitivement, il y a eu d'autres choix auparavant, notamment dans la Révolution française, établit le suffrage universel masculin. Bien entendu, personne au XIXe siècle n'envisage d'accorder le droit de vote aux femmes. James Fazi avait un peu songé, mais ses amis lui ont tout de suite fait comprendre qu'il s'agissait là d'une pente tout à fait impossible à remonter ou à descendre et qu'il ne saurait en être question. Mais en Belgique, depuis 1830, donc 18 ans avant la constitution suisse de 1848, le suffrage universel masculin existe et fonctionne. D'ailleurs, la même année, 1848, toutes ces constitutions plus ou moins provisoires des petites principautés allemandes, de la Prusse, de l'Autriche, de la Hongrie, même les Polonais qui n'ont plus d'État font des constitutions qui s'efforcent d'élargir le suffrage universel, même s'il est censitaire, de faire en sorte que finalement ce suffrage triomphe. Et bien entendu, la France de la Seconde République va instaurer le suffrage universel, d'abord dans certains votes du printemps 1848, et puis dans la constitution de novembre 1848, alors certes, deux mois après la Suisse, la France instaure non seulement le suffrage universel, mais l'élection par le peuple du président de la République. Et d'ailleurs, on l'oublie, on le sait généralement pas, à cette époque, il y a également en France
non seulement un président du Conseil des ministres, un premier ministre, mais un vice-président de la République. Et Napoléon III a été, qui n'était encore que le prince Bonaparte, a été élu président de la République en décembre 1848 avec un vice-président. Donc, la notion du suffrage universel, elle n'est pas vraiment discutée par nos fameux constituants de 1848. Cette commission de 22 ou 23 membres, parce qu'il y a un canton qui a changé en cours là, mais autrement c'est un représentant par canton, eh bien, les constituants sont tout à fait d'accord, tous, d'admettre le suffrage universel. C'est d'autant plus facile pour les cantons dits primitifs que ce sont des cantons à Landsgemeinde et que donc ils connaissent déjà le suffrage universel. Et puis tous les cantons où il y a eu des révolutions libérales et radicales sont également d'accord. Cela étant dit, en réalité, les hommes politiques de cette époque sont partisans d'un système strictement représentatif, sauf les cantons primitifs. C'est-à-dire que le peuple élit ses représentants au Grand Conseil, par exemple, ou au Conseil national quand il existera, mais ensuite, ce sont les députés qui font la politique et on ne demande plus rien au peuple jusqu'à la prochaine élection. Alors, ce système classique va ensuite subir des modifications dans la seconde moitié du XIXe siècle par l'introduction du référendum et de l'initiative populaire qui redonne au fond au peuple une partie de ses prérogatives. Et c'est pour ça qu'on peut parler maintenant en Suisse d'une démocratie semi-directe. Mais en 1848, il n'y a que deux systèmes. Le système représentatif de la plupart des grands cantons du plateau et le système de démocratie directe, qui est celui des Landsgemeinde, avec les cautels qu'on peut expliquer. Alors voilà 22 hommes réunis dans des salons bernois. L'hôtel, c'est pas un véritable hôtel, c'est un hôtel particulier du conseil extérieur, là où on formait sous l'ancien régime les jeunes magistrats bernois, dit l'hôtel de ville de Berne, c'était le siège de l'ancienne république de Berne, et qui sont en train d'élaborer un système politique pour la Suisse. Alors évidemment, M. Candinas a tout à fait raison de dire qu'en réalité, si tout paraît de l'extérieur assez lisse, les discussions ont été vives, pas seulement entre cantons conservateurs qui au départ, donc les cantons qui avaient fait le Sonderbund et qui avaient été vaincus, mais qui ont tous envoyé un représentant à cette commission, mais entre les libéraux et les radicaux qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, bien au contraire. À un moment donné, on essaie de trouver un moyen de concilier la position des cantons avec la position des citoyens électeurs, c'est-à-dire la position des cantons catholiques qui aimeraient en rester à l'ancienne diète, qui vote avec une voix par canton, c'est bien qu'il avait fallu attendre pour avoir la majorité de la diète fédérale en 1847 contre le Sonderbund, qu'une élection partielle dans le canton de Saint-Gall, dans un district, donne une majorité inattendue aux radicaux pour qu'au Grand Conseil Saint-Gallois, tout d'un coup, la majorité change et que ce soit l'ultime voix majoritaire donnée aux opposants du Sonderbund en été 1847, après les bascules en 1845 du canton de Vaud,
en 1846 de Genève et en 1848, en mars 48, de Neuchâtel. Donc les voix se sont peu à peu augmentées en faveur de la lutte contre le Sonderbund. Et puis, alors on n'avait pas, pourtant, le système américain était, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien connu. Et il n'avait pas été repris en 1832 dans le pacte Rossi, mais dès 1833, James Fazi écrit une série d'articles publiés dans le journal de Genève, qui à l'époque était encore un journal progressiste. Fazi n'avait pas tout à fait vendu encore ses parts. Il écrit une série, ça n'est qu'en 1848 que le journal de Genève devient farouchement hostile aux radicaux, un projet de constitution fédérale. Et dans ce projet de constitution fédérale, il défend le système américain. Il dit qu'il est faux à la Suisse un gouvernement central qui rompe toutes les entraves par la conviction, qui fasse naître une évidence incontestable sur les matières d'intérêt général. Jusque-là, tous les radicaux suisse-alémaniques et autres sont d'accord. Le mode fédéral des États-Unis d'Amérique est le seul qui remplisse ces conditions. Depuis 50 ans qu'il est en vigueur, c'est pour montrer que ce n'est pas une innovation. Il a concilié tous les intérêts, organisé un pouvoir central formidable, sans que jamais on se soit trouvé obligé de recourir aux armes pour forcer la volonté d'un des États. C'est évidemment écrit avant la guerre de sécession. Et cependant, les divers États, ça c'est intéressant, les divers États de cette fédération ont des intérêts encore plus compliqués et plus divers que nos cantons. Et là, très probablement, James Fazi fait notamment allusion à l'esclavage. Et dans son projet de constitution qu'il met à la suite de ses articles, où il souligne que chaque canton doit rester souverain et que, comme on l'a dit aussi, finalement, la Confédération n'est que subsidiaire au pouvoir des cantons. Alors aujourd'hui, évidemment, cela sonne un peu creux, parce que c'est généralement malgré tout, malgré le fait de la loi, les cantons qui mènent une politique subsidiaire par rapport à celle de la Confédération, mais on est 175 ans après. James Fazi écrit au sujet de l'organisation fédérale, article 8. L'organisation fédérale se compose d'un landamman et de trois ministres, c'est toujours l'idée de Pellegrino Rossi. On n'en est pas encore au Conseil fédéral de 7 membres. Ça, c'est une première innovation importante de la Constitution de 48. D'un Sénat, les Français, député par les cantons, et d'une Chambre des représentants, on voit l'influence américaine, du peuple suisse, Chambre des représentants du peuple suisse, et également d'un tribunal fédéral. Alors, il imagine que le Sénat se compose de 44 membres, deux par canton. Eh bien, c'est le système qui sera adopté en 1848 et qui sera notamment prôné par le délégué Genevois, qui est le colonel Riet-Constant, ami à l'époque de James Fazi, rival ensuite, et qui a siégé dans la commission parce que James Fazi, qui de temps en temps avait ses humeurs, à la suite d'un différend qui ne concernait d'ailleurs pas du tout Riet-Constant, fâché, a décidé de ne pas accepter son siège à la Diète fédérale et donc de ne pas être dans la commission de revision. Alors, il se rattrapera quelques mois plus tard et reprendra son siège
au Conseil national, mais officiellement, le représentant de Genève, c'est le colonel Riet-Constant. Seulement, celui-ci est en partie lié par des instructions du Grand Conseil genevois, dans lequel siège Fazi et de ses amis radicaux, qui lui ont bien dit qu'il devait absolument défendre l'idée du bicaméralisme. Ce que, sagement, c'est d'ailleurs étonnant, mais enfin sagement, ça veut dire que probablement il y croyait aussi profondément lui-même, il va défendre à la Commission. Ou d'abord, il va être assez isolé, parce que certains cantons, Berne et Zurich, acceptent peut-être l'idée d'un Conseil des États, mais trouvent que eux qui sont grands, puissants, riches, doivent avoir un nombre de représentants plus élevé que ceux des autres cantons, donc de briser l'égalité. Alors Berne se voit avec 6 représentants, Zurich avec 5, un ou deux cantons comme l'Argovie et Saint-Gall avec 4, et puis les autres se partagent les 2 ou 3 restants. Seulement évidemment, les petits cantons de la Suisse centrale ne sont absolument pas d'accord avec ce système. Mais le brave Riet-Constant est quand même, ensuite, pas tout de suite, un certain Jonas Fuhrer, qui est le représentant de Zurich, et qui va être le premier président de la Confédération, se met à le soutenir. Mais il doit faire face à l'opposition d'un certain nombre de radicaux, et non des moindres, comme Druet, le fameux Henri Druet, le Vaudois, dont on oublie de rappeler qu'au départ, il était pour une chambre monocamérale et uniquement élue par le peuple. Et on voit bien que c'était parce qu'il pensait pouvoir mieux la diriger que le système des deux chambres. Enfin, toujours est-il qu'au bout d'une semaine, enfin de 10 jours en mars, le 6 et le 7, où les opinions varient, puis on se réunit à nouveau après une semaine de vacances le 15, on accepte l'idée du bicaméralisme. Et à ce moment-là, les choses vont aller assez rapidement dans la mesure où en quelques semaines, mais justement parce que l'autre moitié de la Constitution sur les tâches, les charges de celle-ci par rapport au Conseil, par rapport aux autres cantons, les charges même du Conseil fédéral, etc., sont en partie réglées par ce qui avait été fait en 1832, à tel point que, moi je n'ai pas repris tous les articles, hein, mais que William Rappard, qui a fait un livre formidable en 1948 sur la Constitution fédérale 1848-1948, dit que sur un certain nombre d'articles de la Constitution de 1848, il suffit de lire comme commentaire le rapport de Pellegrino Rossi de 1832. Donc c'est aussi pour vous montrer que les gens ne travaillent pas à partir de rien, mais à partir des expériences, des traités d'autres personnes. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que sur les 22 membres de la Commission de la Constitution, on pourrait dire 22 constituants, 6 vont devenir conseillers fédéraux. Immédiatement. 6 sur 7. Et notamment, Oxenbein, le fameux général Oxenbein, parce qu'à cette époque, les titres militaires l'emportent assez fortement sur les titres politiques. Alors, vous me direz, mais Oxenbein, il est mort en 1890, il était général d'armée. Quand même, il a eu une vie tout à fait passionnante après 1848, après 1854, et son échec au Conseil fédéral pour la seconde réélection. C'est d'ailleurs le premier sur les 4 ou 5, maintenant, avec Blocher, 5 conseillers fédéraux qui n'ont pas été réélus. Ulrich Oxenbein est le premier. Et il n'a notamment pas été réélu, malgré un caractère emporté, parce que c'est vrai
comme on l'a dit, peut-être pas aussi, qu'il était plus modéré que son grand adversaire bernois, radical bien entendu aussi, Jakob Stempfli, qui lui était un radical pur et dur, et qui a été élu en 1854 à la place de Stempfli, soulignant donc qu'on n'est jamais mieux trahi que par ses amis. Mais c'est assez intéressant de voir qu'Ulrich Ochsenbein était le président de cette commission et qu'il a été élu comme Jonas Fuhrer de Zurich, comme Münziger de Soleure. Un des rares qui n'a pas été élu au Conseil fédéral, c'était le représentant du Tessin, parce qu'on trouvait que, voilà, il était un peu pas assez dans la bonne ligne, et alors on s'est empressé d'élire dans le premier Conseil fédéral un nommé Franz Tini, qui n'avait pas siégé dans la commission de constituante, mais qui était persona grata chez les radicaux du moment. Mais les six autres conseillers fédéraux faisaient tous partie de la commission constituante. Du coup, je voulais dire que les titres militaires l'emportaient à l'époque sur les titres politiques. Ochsenbein, bon, on peut faire, mais lors de la mort d'un conseiller fédéral nommé Louis Perrier, vers 1860-70, la vis mortuaire porte en gras Monsieur le colonel Louis Perrier et en tout petit n'exagérons rien, mais en beaucoup plus petit, conseiller fédéral. Évidemment, ça aujourd'hui, ça serait, les gens s'en écarquilleraient tout à fait les yeux. Alors, il y a encore, parce que le temps passe, mais ça va, hein, comme on n'a pas assez, on a eu le petit truc, il est 45 minutes, je vais tenir. Mais, au bout d'un moment, la tension, on peut se relâcher. Alors, deux petits problèmes, un que je ne vais pas résoudre, ni par la discussion, parce que je ne sais pas plus, et c'est d'abord celui de la neutralité. Alors, vous le savez, la neutralité était inscrite dans le pacte fédéral de 1815. Elle était mentionnée dans le projet de pacte de 1832 et elle n'est en fait pas mentionnée comme l'un des buts de la Confédération en 1848. Alors, il y a toute une petite discussion quand même à un moment donné, mais légère par rapport à d'autres problèmes, sur la neutralité, et tout le monde tombe d'accord qu'au fond, la neutralité n'est qu'un moyen. Ça n'est pas un but, c'est un moyen. Et on dit même, il ne faut surtout pas l'inscrire dans la Constitution, parce qu'on pourrait imaginer, et ça résonne à nos oreilles aujourd'hui, vraiment très fort, on pourrait très bien imaginer qu'il faille renoncer à la neutralité pour sauvegarder la liberté et l'indépendance nationale. Et on imagine beaucoup mieux aujourd'hui dans l'Europe qui s'unit ce que cela pourrait être. D'ailleurs, je tiens à signaler, mais je n'ai pas la référence exacte, qu'Henri Druet a écrit sur le problème de la neutralité helvétique à cette époque des pages qui résonnent d'une façon assez actuelle encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important. Puis alors, le second point, c'est celui, moi je n'y attachais pas trop d'importance, et puis M. Studer m'a dit, mais enfin, il y a des opposants à la Constitution fédérale, c'est vrai. Il y a des opposants. Mais on a quand même les chiffres. On a quand même des chiffres que vous pouvez retrouver, par exemple, dans un rapport, qui sont assez précis. Alors, il est vrai que dans un ou deux cantons, le scrutin a été, on pourrait dire, manipulé. L'exemple, il y a deux exemples tout à fait frappants, presque les seuls d'ailleurs, c'est
Fribourg et Lucerne. Fribourg, où, alors qu'il était bien spécifié que la population devait se prononcer, mais où il y avait depuis 1847 un régime radical qui allait durer 9 ans, où les radicaux avaient la majorité au Grand Conseil, et pas les conservateurs catholiques suite à leur défaite, Fribourg a décidé de ne pas consulter la population. Donc, seul le Grand Conseil, parce que, à l'exception des régimes à Landsgemeinde, tous les grands conseils ont tenu à prendre position avant les électeurs. Alors, à Fribourg, on s'est arrêté au Grand Conseil, avec une forte majorité en faveur de la Constitution, alors qu'il est très possible qu'avec un véritable vote de la population, Fribourg ait refusé. C'est d'autant plus possible qu'on constate que dans les cantons à Landsgemeinde, eh bien, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald ont refusé la Constitution, ainsi Soferer, Kappenzell, Rhode intérieur. Et puis l'autre canton où les résultats ont été quelque peu manipulés, c'est le canton de Lucerne, qui a voté oui à 15 900 voix contre 11 100 et quelques, donc on a l'impression qu'il y a une nette majorité en faveur du oui, mais où en réalité toutes les abstentions ont été comptées comme oui. On peut aussi penser qu'on n'est pas la chute des abstentions, mais que sinon il est probable que Lucerne aurait aussi voté non. Cela étant, les cantons qui se sont prononcés pour le non, les cantons à Landsgemeinde, c'est quelques milliers de voix contre quelques centaines de oui, mais c'est très étroit. Et dans l'éventail des cantons qui votent oui avec le suffrage universel, et sans qu'il y ait, comme à Lucerne ou à Fribourg, on ne peut pas appeler ça des magouilles, mais enfin, des votes arrangés, vous avez des cantons qui votent oui sous forme de plébiscite. Par exemple, à Neuchâtel, 94% de oui. À Zurich, vous ne pouvez pas manipuler tous les Zurichois, hein, quand même, 91% de oui. À Soleure, 62% de oui, et c'est un canton mixte, où il y a autant de catholiques que de protestants. D'ailleurs, un des deux conseillers fédéraux catholiques du premier conseil fédéral, Münziger, viendra de Soleure. Alors, bien sûr, vous avez des cantons en sens opposé qui votent non à de fortes majorités. C'est, ça ne vous étonnera pas, le Valais, 60% de non. Et puis, dans les cantons à Landsgemeinde, la Landsgemeinde d'Obwald, 97% de non. Mais évidemment, vous votez sous les yeux de tous vos concitoyens. Le vote n'est pas secret. Là aussi, on peut dire que c'est peut-être un peu arrangé. Alors, finalement, quand on regarde l'ensemble des chiffres suisses, on constate quand même que les cantons peuplés du plateau ont à peu près voté, y compris Fribourg, qu'on ajoutait à la population un peu fictivement, à 169 743 oui contre 71 899 non. Mais si on enlève les suffrages de Lucerne, la Commission fédérale dit elle-même que ce sont des chiffres approximatifs. On n'a pas la rigueur d'aujourd'hui. Ça évite d'ailleurs de penser qu'on peut perdre des votes à quelques voix, mais c'est là. La démocratie, on peut quand même constater que la Constitution de 1848 a été à principe approuvée par 2/3 des votants contre 1/3 qui a dit non. Et ça, c'est quand même, ça montre qu'en réalité, cette Constitution de 1848 a quand même, malgré ce qu'ont pu dire un certain nombre de gens issu notamment des cantons de l'ancien Sonderbund, a quand même été accepté
par la majorité des citoyens suisses. Et ça, c'est aussi important. Alors voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de petits problèmes qui peuvent se poser sur la Constitution de 1848, qui a quand même été bien modifiée depuis, avec l'adjonction de cette démocratie semi-directe notamment, dont l'intolérance a quand même été adoucie, le seul article confessionnel, mais auquel tenaient beaucoup d'Argoviens, de Zurichois, de Bernois, ça a été l'interdiction des jésuites. Et vous le savez, à la fin du XXe siècle, cette interdiction a été levée. Et là, c'était vraiment, on pensait que les jésuites étaient en partie le détonateur des événements de 1847. Et puis, il y a quand même des articles, mais vous le savez, qui n'ont pas été réalisés tout de suite, voire jamais. Alors, n'a pas été réalisé tout de suite la constitution de l'École polytechnique fédérale, qui a été établie à Zurich 6 ans plus tard, notamment grâce à la volonté d'Alfred Escher. Ça montre que la Confédération s'intéressait déjà, dans ce qui aujourd'hui passe pour une des grandes compétences cantonales, à l'éducation. Car à côté de l'École polytechnique fédérale, la Constitution prévoyait la création d'une université suisse. Pas d'une université cantonale, mais d'une université suisse, précisément pour que se forme une sorte d'élite intellectuelle qui ne soit pas soumise à des influences d'université cantonale. À l'époque d'ailleurs, il n'y en avait guère que 3. Hein. En 1848, il y avait Bâle, la plus ancienne, Zurich et Berne. Et Genève et Lausanne ne viendront qu'à la fin du XIXe siècle. Eh bien, cette université nationale, l'article figure dans la Constitution à figurer toujours, n'est toujours pas appliquée, n'est toujours pas en vigueur. Donc vous voyez que même une Constitution qui a 175 ans peut, au-delà des compléments qu'elle a, continuer à demander dans certains domaines une certaine application. Voilà, je vous remercie. Merci.